C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait des problèmes avec ses yeux. Mais Dieu merci, la jeune femme qui était convoitée dans la chanson savait comment traiter des yeux. S'ensuivit une longue histoire d'amour qu'on vous raconte. Son petit pain au chocolat. Da, 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 da. Ça, c'est la vôtre, hein? La boulangère lui souriait et ne la regardait pas. Da, 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 da. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant, il était mis un peu, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Ya, 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 ya. Il vivait dans un monde fou où les nuages volaient bas. Ya, 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 ya. Il ne savait pas qu'elle était belle, ne voyait pas. Envoyait à la requête pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des papayes. Dans la boulangerie en fête, un soir on les maria. De petits gosses, un peu comme papa. Quand Adam parmi les brioches se remplissant les poches du petit pain au chocolat. Mesdames et messieurs, Gabriel Labrado, saxophone. Pour approcher